la plateforme Synergie pour le dialogue et la réconciliation. Le dialogue politique initié par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'est achevé le 4 mars 2022. La plateforme qui s'est organisée pour renchérir ce dialogue va vous entretenir, va vous dire ce qu'elle pense de ce dialogue et faire des propositions. Cette rencontre sera présidée et animée par la première dame, Madame Simone Yeri-Babo. Je vais donc vous laisser aux journalistes et hommes de médias avec elle, afin que vous en tiennent. Merci donc pour cette présence. Mesdames et messieurs, du 16 décembre 2021 au 4 mars 2022, s'est tenue à l'initiative du gouvernement de la République du Côte d'Ivoire une session du dialogue politique baptisée phase 5. Cette session a regroupé le gouvernement, des partis politiques et des organisations de la société civile. Les travaux de cette cinquième phase du dialogue politique, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, ont été conduits par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Les thématiques débattues ont eu trait aux mesures d'apaisement de l'environnement politique, à la réconciliation nationale et au cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. À l'issue de cette session du dialogue politique, le rapport final paraphé par 48 participants, dont 21 au titre des partis politiques et groupements politiques, et 26 au titre des organisations de la société civile, a fait 13 recommandations principales. La conduite de ce dialogue et les recommandations qui en ont découlé appellent des observations. Première observation sont les observations relatives à la conduite même du dialogue. Le dialogue dans un état est par essence un outil de renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Il est donc avantageux qu'un tel événement réunisse toutes les composantes de la nation dans leur représentation. Or, certains partis politiques et groupements politiques, ainsi que des organisations significatives de la société civile, n'ont pas été invités à ce forum, montrant ainsi le caractère non inclusif de cette cinquième phase du dialogue politique. Deuxièmement, le dialogue a été convoqué, supervisé, dirigé et contrôlé entièrement par le gouvernement, selon ses propres attentes, ses propres objectifs, ce qui le met donc en position de juge et partie,
toutes choses qui ont laissé très peu de place à un examen structurel et impartial. Cette posture, malheureusement, fait peser sur les travaux et leurs résultats une véritable suspicion légitime. Troisièmement, la présence, malgré la présence de certaines organisations de la société civile ivoirienne, l'inventaire des recommandations montre aisément que ce rassemblement a été convoqué pour régler presque exclusivement des questions politiques, des problèmes politiques, occultant les nombreuses questions sociales qui mettent à mal la cohésion nationale. Quatrièmement, le mode opératoire lui-même. Le mode opératoire adopté à cette session du dialogue politique n'a pas laissé de place à la démarche démocratique qui devait permettre d'organiser de véritables échanges entre politiques et non politiques. La partie gouvernementale a beau jeu donc de déclarer complaisamment dans le rapport final que de nombreuses questions soulevées ont donné lieu à des informations et à des explications satisfaisantes de la part du gouvernement. Au titre des mesures d'apaisement de l'environnement politique, dans les observations relatives aux recommandations qui ont été faites, nous pouvons nous réjouir et nous nous réjouissons de la recommandation ayant trait au retour à un paiement plus régulier de la subvention aux partis et groupements politiques. De même que de la volonté de régulariser les comptes gelés de certains citoyens. En revanche, le financement de la société civile n'apparaît pas dans ce rapport final. Alors que les organisations de la société civile, elles aussi, assument un rôle important de formation des populations et ce rôle est indéniable. De plus, nous observons, nous notons que la question relative au retour de M. Charles Blé Goudé aurait été transformée pour décision à ce qu'ils ont appelé un groupe de haut niveau. Quant au cas de M. Guillaume Soro, il n'aurait même pas du tout été évoqué. Nous pensons qu'aucune question n'aurait dû être reportée ni évitée dès lors qu'il s'agit d'apaisement de l'environnement politique national. Surtout que dans le cas particulier de M. Blé Goudé, la question est une question de droit qui est en train de redevenir une question de justice. Quant à la question des tenues d'opinion civiles et militaires, elle demeure entière, même si les membres du gouvernement tentent de minimiser la portée de cette question-là en niant l'existence de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Voyons maintenant ce qui est dit au titre de la réconciliation nationale. Il faut saluer la volonté de vulgarisation des modes alternatifs de règlement des conflits avec l'implication notamment des chefs coutumiers, des guides religieux et des organisations de la société civile. C'est une recommandation majeure
Et nous voulons, nous espérons, nous souhaitons voir traduire cette recommandation-là dans les faits. En revanche, la limitation du processus de réparation et d'indemnisation aux seules victimes de la crise électorale de 2022, de 2020 plutôt, est fort surprenante. Pourquoi toutes les victimes des crises qui ont secoué notre pays depuis l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui, en passant par les événements de 2010, pourquoi ces victimes-là seraient-elles exclues du processus de réparation et d'indemnisation? Au titre du cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, nous voulons rappeler que les recommandations suivantes ont été faites. Premièrement, la prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la CEI sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. C'est ce que le texte dit. Deuxièmement, la conduite de réflexion par le gouvernement sur le processus de découpage électoral sur la base du relèvement du coefficient affecté aux critères démographiques et en maintenant les acquis. Troisièmement, la révision annuelle de la liste électorale par la CEI conformément au code électoral. Quatrièmement, le réexamen du mécanisme de financement des candidats et du remboursement des frais de campagne à l'élection présidentielle. Cinquièmement, l'amélioration du système de parrainage citoyen à l'élection présidentielle. Sixièmement, le renforcement de la sécurisation du processus électoral. Sur chaque point, on pourrait faire un commentaire, mais nous n'allons pas aborder tous les points aujourd'hui. Nous saluons deux recommandations. Premièrement, la volonté exprimée de la révision annuelle de la liste électorale par la CEI conformément au code électoral. Très important. Et qui modernise notre système électoral. Cependant, il est impératif que cette révision se fasse en profondeur, car personne n'ignore que la liste électorale de notre pays comporte de graves irrégularités qu'il faut absolument corriger. Elle a même besoin d'être auditée. Deuxièmement, nous adhérons à la volonté exprimée de réexamen du mécanisme de financement des candidats et du remboursement des frais de campagne à l'élection présidentielle. Souhaitons toutefois que les mécanismes consensuels qui seront adoptés s'appliquent sans discrimination à tous. En revanche, nous proposons la création de deux organes. Une nouvelle CEI qui serait constituée de personnalités neutres, c'est-à-dire de personnalités non partisanes. Cette nouvelle CEI ne devra donc contenir aucun représentant des partis politiques, ni des institutions de l'État. Les acteurs de cette CEI auront un statut particulier avec des salaires et des moyens conséquents. Toutes choses qui garantiront leur indépendance vis-à-vis des partis et des autorités politiques et administratives qui seront recrutées par appel d'offres et en dehors des partis et mouvements politiques. Nous proposons
la création d'un deuxième organe que nous appelons l'Observatoire des élections. Et cet Observatoire des élections sera chargé de l'observation des élections. Cet organe sera constitué de représentants du gouvernement, de représentants des partis et mouvements politiques et de représentants de la société civile. Ils observeront toutes les élections, toutes les étapes du processus électoral. Ce dialogue a retenu également la conduite de réflexion par le gouvernement sur le processus de découpage électoral. L'intention affirmée est de relever le coefficient affecté aux critères démographiques, tout en maintenant les acquis. C'est ce que le texte dit. Cette intention révèle la volonté de laisser les choses en l'état, en donnant l'impression de les changer. Car ce sont justement les acquis actuels qui sont en question, qui nécessitent que l'on revoie le découpage électoral. Si les critères sont modifiés, les acquis devraient être nécessairement également modifié. Parce que c'est faire justice que d'appliquer les mêmes critères à tout le monde. On ne peut pas modifier les critères et puis maintenir des acquis qui n'émanent pas, qui ne sont pas déduits de ces critères. Au titre du cadre de suivi, le mécanisme de suivi des recommandations de cette session du dialogue politique n'a pas été indiqué. Le rapport s'est contenté de mentionner la décision de la mise en place d'un cadre de suivi des recommandations sous l'autorité unilatérale du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous croyons qu'il aurait fallu privilégier un cadre tripartite. Gouvernement, société civile, parti et groupement politique, à l'intérieur de ce cadre de suivi. Cela a l'effet de rendre plus efficace le suivi et l'évaluation des recommandations. Ainsi, la cinquième phase du dialogue politique est achevée. Ces conclusions ont reçu un accueil mitigé de la part des populations et même de certains partis politiques et organisations de la société civile qui ont pris part. Les résultats obtenus, vraisemblablement, ne peuvent pas permettre d'atteindre la paix durable à laquelle aspirent nos populations. C'est pourquoi les partis, groupements politiques et organisations de la société civile réunis au sein de la plateforme Synergie pour le dialogue et la réconciliation, SDR, soucieux de fédérer les énergies des Ivoiriens et des Ivoiriennes dans une vision partagée, propose une démarche alternative en vue d'une réconciliation vraie pour une véritable cohésion nationale. La SDR est engagée dans un processus de réflexion nationale et inclusive autour des points suivants: la sécurité et les questions foncières, la justice et la réconciliation nationale, les réformes constitutionnelles, les réformes électorale, la sécurisation de l'état civil, l'immigration, l'intégration et les relations extérieures, les affaires économiques et sociales. Sur ces questions essentielles de la vie de la nation,
La plateforme Synergie pour le dialogue et la réconciliation en appelle à l'attention et à l'intelligence de toutes les franges socio-économiques et politiques dans une communion fraternelle et décisive. Elle se propose d'aller écouter le peuple tout entier à travers tout le pays ainsi que toutes les forces vives. La plateforme interrogera le génie de chacun et proposera à la nation le fruit des réflexions collectives. Nous avons bon espoir que cette synergie d'intelligence contribuera à apporter des réponses consensuelles aux questions majeures que toute la nation se pose aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous lançons un appel à l'adhésion massive de tous au projet de la plateforme. Ensemble, nous relèverons tous les défis.